Nous voici installés au comptoir, mais attention, avant de débuter cette émission, une mise en garde est nécessaire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé car il est fort probable et sans doute inévitable qu'au cours de cet échange, l'absinthe, le pastis, le whisky et certains nombres de vins cuits soient mentionnés, une histoire populaire des bistrots comme lieu de rencontre, d'échange, de convivialité, un récit spirituel avec un peu de spiritueux pour une histoire à consommer sans modération. Avec un beau comptoir en étain reluisant. Bon, alors qu'est-ce qu'on boit C'est l'heure que je ferme bah. Du vin à chaud, ça te va Je ferme On a demandé du vin à chaud C'est un sandwich pour le 28. N'oubliez pas les cornichons, du sel, du poivre et de la moutarde. Ah, et du paprika. On ne boit pas assez. Ici, comme au temps de Voltaire, on parle littérature, philosophie, politique. Eh, monsieur Laurent Bill, bonjour Salut patron, bonjour <laughs> Didier Nourrisson. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers Un boc à l'as. Qu'est-ce donc <laughs> Un boc à la table numéro un. un boc à l'as. Ah, l'as, c'est la table numéro un. C'est une histoire des bistrots. Aujourd'hui, euh, Laurent Mille, vous êtes euh, l'auteur de cette histoire populaire des bistrots. Avant toute chose, lequel des deux nous rappelle ce que signifie bistrot Didier Nourrisson. Alors, bistrot, euh, origine inconnue. Ça, c'est la première chose à, à, à pointer. On ne sait pas vraiment d'où vient le terme. En tous les cas, on ne le trouve nulle part au 19e siècle. Or, certains prétendent que, euh, en 1814, euh, les Russes qui occupaient Paris euh, auraient, sans descendre de leur cheval, euh, réclamé à boire vite, donc bistro en russe. Mais Personne n'a pu prou prouver euh, cette origine, donc le mot bistrot apparaît en fait seulement au début, au tout début du XXe siècle, euh, et souvent de manière d'ailleurs euh, euh, péjorative. Hein C'est pour désigner le patron de, de l'établissement où l'on boit, qui est un plus ou moins une crapule euh, et qui est euh, en quelque sorte chargé de de dénoncer ses, ses clients euh, aux, aux autorités pu publiques euh, et de jouer un, un rôle électoraliste très fort. On parlera d'ailleurs de bistrocratie dès le début, dès la Belle Époque. Hein Donc un pouvoir attribué au patron du, de, de l'établissement. Laurent Bill oui, ben c'est la première citation du terme date de 1884 avérée par l'abbé alors l'abbé Georges Moreau sous une plume cléricale et ce qui est tout à fait étonnant c'est l'incroyable profusion de termes pour qualifier ce lieu et cet endroit, à l'ouverture de mon livre, je dresse une liste qui atteint plus de 25 termes et j'aurais pu monter à 40 euh, si j'avais pas eu peur de lasser le lecteur. Euh, il y a un nombre de mots euh, plus ou moins familiers dépendant de l'instant qui montre bien l'inscription de ce lieu dans l'imaginaire social au cœur de notre société, au cœur de notre intimité collective. Ah oui, nous avons de la brasserie, de l'estaminet, du limonadier, de la guinguette, etc. Un boui, boui. non C'est vrai que tous ces mots, nous les connaissons. Le cafemar, le casingue, l'estanco, le boussingo, la buvette. Euh, Laurent Biel, vous êtes... Euh... Maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris, Panthéon Sorbonne, vous êtes l'auteur de cette histoire populaire des bistrots, avec un paradoxe entre l'omniprésence du bistrot on vient de citer l'exemple du vocabulaire et son absence dans l'historiographie. Il n'y avait pas de livre de synthèse sur l'histoire des bistrots. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant euh, tous les vingt ans. Euh, il y a un livre de pittoresque d'anecdotes euh, Bon, voilà l'édition euh, publie toujours des gens qui ont une plume d'ailleurs alerte à des livres qui sont très agréables et qui rappellent les bistrots de la Bohème, qui rappellent euh, telle anecdote Alors, généralement ça met en scène les poètes, les, les, les écrivains etc etc. Euh, mais euh, d'histoire panoramique, il n'y avait rien, aucune synthèse, aucune thèse, personne n'a jamais soutenu de thèse sur les bistrots contemporains, les bistrots depuis 1789. Et je dois dire que voilà, je me suis appuyé sur une série de courants différents de l'histoire et beaucoup, beaucoup de livres pour arriver finalement à condenser tout ça dans ce qui n'est qu'un point de départ et ce qui est amené à être continué maintenant par beaucoup d'autres chercheurs. Alors, oui, pour, pour travailler sur, euh, sur le bistrot, effectivement, il faut, faut, faut brasser large, hein, c'est le cas de le dire. Euh, je vous cite par exemple un, un petit poème de Raoul Ponchon, euh, bien connu au 19e, qui dit ceci. « Je dis bistrot comme je chante, comme je dirais cabaret. Mastroquet depuis peu se range, chant de vin, marchand de vin, me semble commun. » Et c'est bistrot que tout arrange. Donc on a vraiment le, le, le passage de, euh, de, de cette floraison de mots euh, du 19e siècle, marchand de vin, euh, mastroquet, et, et j'en passe, euh, au mot bistrot qui va devenir un peu le, la référence ultime avant peut-être euh, le mot troquet. Oui, parce que ces mots-là vraiment sont dans notre langage à nous, mais comme objet d'étude, c'est autre chose. Didier Nourisson, vous êtes professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1, et on peut... Inscrire cette histoire du bistrot dans une attention beaucoup plus large et qui commence à dater désormais sur ces pratiques du quotidien, c'est toujours étonnant de se dire que c'est mis de côté alors que pour beaucoup de nos ancêtres, bah, c'était un peu tous les jours. Alors j'ai écrit beaucoup sur le, le fait de boire. Alors effectivement, on ne boit pas qu'au bistrot. Hein, et au bistrot, on ne fait pas que boire, euh, c'est évident. Mais le, le bistrot va effectivement euh, rassembler euh, tout. Tous les gens qui veulent euh, faire société, d'où euh, d'ailleurs le, le, le titre de votre émission, la sociabilité, qui se qui passe effectivement par la rue et par le bistrot. Mais je crois que euh, depuis une trentaine d'années, on est beaucoup sur l'histoire du sensible, euh, l'histoire du geste. Euh, et alors vraiment, tu as euh, didier ton, ton ton histoire du buveur il euh, y a trente a ans a, a vraiment été le socle hein, de, de de florilège euh, de d'ouvrages de, qui sont parus depuis. Mais je pense que on est maintenant à l'orée d'une nouvelle histoire des lieux. Euh, je voyais l'autre jour une histoire de la boulangerie, euh, une histoire des restaurants. Bon voilà, moi j'ai fait l'histoire du, du, du bistrot, mais je pense qu'on va revisiter les lieux parce qu'ils ont peut-être été un petit peu délaissés par l'histoire culturelle euh, depuis 30 ou 40 ans. Avec euh, ce titre quand même, Didier Nourrisson de votre ouvrage, cru et cuite, que c'est un bon titre. Histoire <laughs> du buveur. et Dites-nous, Laurent Bill, c'est une histoire sur la longue durée. Parce mmh. que le bistrot ne peut pas se comprendre en choisissant une date à laquelle il apparaîtrait. Euh, pourtant, on voit des évolutions. Est-ce que le bistrot du 19e siècle, celui de l'Assommoir, ressemble au bistrot du 20e siècle ah, Pas du tout. Euh, pas du tout. Et j'ai un certain nombre de citations. Mon éditeur a été assez gentil pour me laisser la place de faire de vraies citations euh, et donc de mettre le lecteur dans une situation presque immersive. Et euh, la description que j'ai trouvée, les descriptions que j'ai trouvées au fil des auteurs font apparaître des endroits où la atmosphère est à couper au couteau, euh, imaginez que euh, la façade est rouge sans, que les fenêtres sont closes, fermées de barreaux, il y a des rideaux, euh, on ne distingue rien, euh, la plupart du temps, ce sont des atmosphères confinées dans lesquelles euh, tous les remugles euh, sont imaginables. Je ne vous envoie pas euh, dans euh, le, le, le troquet euh, éternel de, de Gensu près de Notre-Dame, euh, je ne vous envoie pas non plus dans les dans les établissements souterrains du 19e siècle, parce que les romanciers ont même mis des bistrots dans les catacombes. Mais je défie un pilier de comptoir d'aujourd'hui euh, de rester plus de 5 minutes dans un mastroquet, dans un bouge d'autrefois, dont les plus célèbres étaient peut-être du côté euh, de la place Maubert. Et j'ajouterais même qu'on avait une fumée opaque qui, qui rendait invisibles les, les uns aux autres. Euh, alors que le bistrot, c'est un peu le miroir de notre. Société hein, qui va arriver avec ses glaces et, et, et ses ouvertures, et puis aussi avec ses terrasses. Hein, ce qui est très caractéristique, c'est que euh, le bistrot, les bistrots du XXe siècle, débordent facilement dans la rue. Au départ, le bistrot est en vertical, c'est-à-dire que euh, le bistrot soit est un espace fermé qui se décline en arrière-salle, en profondeur, soit dans les, sur les boulevards, les grands cafés parisiens se situent en vertical. Et c'est à l'orée du 19e siècle qu'on va avoir ce combat de l'espace public contre les bistrots avec cette colonisation de l'espace public par les terrasses. Mais je voudrais pas quand même, euh, partir d'ici sans avoir formulé cette anecdote de la rue Clopin. Un établissement de la rue Clopin dans lequel les gens mangeaient au milieu des pluchures de Haran. La spécialité, c'était de Haran. Et donc, on épluchait son hareng et on lançait les petites membranes visqueuses au, au, au plafond et celui dont la membrane retombait devait payer la tournée et inutile de vous dire que on buvait dans une ambiance absolument délétère euh, évidemment cet établissement n'existe plus euh, aujourd'hui à sa place on a le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à qui je dédie cette anecdote <laughs> non mais c'est un univers complètement différent ce bistrot du 19e siècle celui des mystères de Paris de Gensu un monde très différent du bistrot du 20e siècle Alors, alors, la fumée est restée pendant longtemps dans ces oui. bistrots du XXe siècle. Comment s'opère la transformation Comment le bistrot devient-il un lieu plus ouvert On a parlé euh, de ces glaces, de ces vitres qui donnent de la lumière. Qu'est-ce qui fait l'évolution Allez, je ne vais pas prendre la parole. Je vais laisser. J'ai cité Walter Benjamin qui parle du bistrot comme un lieu scopique dans lequel le regard et en particulier le regard masculin se complète à lui-même. Alors c'est à la fois le regard sur les glaces où l'on où la vision de soi est démultipliée, mais aussi c'est le moment où le flâneur regarde les gens passer. Et donc, je crois que le, 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 le café correspond véritablement à une discordance des temps. Car... Puisque le temps c'est de l'argent, le café va vite être vu comme le lieu où l'on perd son temps. Le bistrot comme lieu des apparences, le lieu où il faut se montrer, le lieu où l'on veut être vu euh, et où l'on veut voir. Et je crois que ça, c'est extrêmement intéressant, ce, ce jeu de regard. Euh, et je crois que le bistrot c'est effectivement un, un lieu important, un lieu où tourne la société complètement. On pourrait dire que le bistrot est le lieu où la société se regarde elle-même, euh, et en particulier la société bourgeoise au XIXe siècle et la société plus populaire euh, globale euh, au XXe siècle. Et j'en veux pour preuve euh, la récente crise du Covid. Euh, finalement, lorsque le confinement a démarré, toutes les chaînes d'information en continu ont envoyé leurs équipes rue de Lappe pour voir les cafés fermés à minuit pile. Et quand les cafés ont fermé, le confinement a commencé. Et le confinement n'a été médiatiquement considéré comme fini que lorsque les cafés ont réouvert. Ce qui montre bien à quel point le lieu bistrot est véritablement le baromètre ou le thermomètre de notre société. Alors, à, à remarquer aussi que qu'au XXe siècle, c'est pas comme au XIXe siècle où on avait des, des coteries... Euh, qui se réunissaient dans des bistrots particuliers. Hein, il y avait le, le café des militaires, le café du commerce, le, le café des mineurs, euh, je parle pour Saint-Étienne, bien sûr, euh, etc. Donc, euh, chaque profession se retrouvait dans le bistrot entre soi. Et au XXe siècle, tout cela éclate, c'est-à-dire qu'on peut accéder même à des bistrots même à des cafés un peu un peu upés, quand on a un homme du peuple et ça je crois que c'est très très caractéristique et très novateur les dernières victimes ont été euh, les routiers euh, qui ont été finalement décimés euh, par euh, la la transmutation des des transports et des moyens de transport mais il n'y a plus aujourd'hui de ces auberges ou de ces restos routes de ces restos de routes euh, ou s'il en reste ils sont on va dire savamment cachés euh, et couvés presque par les derniers qui qui les fréquentent mais tu as tout à fait raison aujourd'hui nous avons euh, les espaces intégrés aux lieux de travail nous avons la buvette de l'entreprise euh, je crois d'ailleurs savoir que près de la porte D à euh, <laughs> il, <y a, rire> il y a donc un espace dans lequel on. Se... Et voyez, c'est une façon finalement de rester entre soi. Et je pense que si on était euh, allé euh, autour de la maison de la radio, il y a, à sa création, il y avait, je pense, dix ou douze établissements en plus dans la périphérie strictement proche d'ici qui accueillaient le personnel de la maison de la radio. Ouais, parce que c'est ça, hein, c'est euh, retrouver ses collègues à l'extérieur et en faisant cela, c'est rencontrer d'autres gens qu'on ne connaissait pas. Oui, je pense aussi que euh, le, le bistrot c'est un lieu des, de de rencontres on le dit, on, bien sûr, euh, mais euh, pas forcément professionnel. C'est-à-dire que euh, on fait plein d'autres choses dans un bistrot que de simplement boire avec le, le compagnon de travail. Parfois, on, on, on joue. On joue aux cartes, on joue aux boules dans dans l'arrière-cour, on, on fait de, tout un tas de d'activités qui ont été bien montrées et qui assurent la fréquentation même de, de l'établissement. Je pense en, en particulier au café des sports. Ça n'a jamais, enfin ça n'était pas au départ le café où on allait voir les, les matchs à la télévision. Hein euh, ça, c'est vrai pour les années 50-60. Mais le café des sports, c'est le lieu où se réunissaient les associations sportives, puisqu'il n'y avait pas de siège social. Donc, on, on était obligé d'aller boire un coup pour se pour aller ensuite euh, disputer le match. On oublie souvent que le café est aussi le lieu où l'on fait des affaires. Euh, et euh, en milieu rural ou provincial, lorsqu'il y a la foire, c'est au marché euh, qu'on passe contrat et euh, et derrière. Donc c'est toute une activité socio-économique mmh. qui se joue au café. Mais là encore, tu parles de, tout à l'heure du, du café des sports. Euh, avant qu'il y ait la télé, c'est au café que qu'on euh, affichait euh, quel était l'ordre de passage dans le col euh, de Bahamontès ou de Copie. Euh, lorsque euh, les gens passaient devant le café, il y avait le, la situation de l'étape qui était affichée de quart d'heure en quart d'heure car le café relayait la radio. Et c'est tout à fait fantastique de voir... à point le café, ça j'essaye de le montrer dans mon livre, est un lieu fondamentalement médiatique. C'est le lieu aussi de lecture qui a accueilli l'imprimé dès, dès, dès son départ, dès, 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 dès ses débuts. C'est un lieu dans lequel beaucoup de journalistes viennent écrire, on le voit chez Balzac dans Les Illusions Perdues. Et plus tard avec la radio, et plus tard encore avec la télé et les premiers feuilletons qui sont diffusés et regardés collectivement euh, au, au, au café, euh, ça, Myriam Sikounas, là, notre amie Myriam Sikounas, Kounas l'a montré, eh bien non, le café est véritablement un lieu médiatique, oui. Un vrai lieu médiatique, une histoire populaire des bistrots. Dites-nous, Laurent Bill, une histoire populaire des bistrots, spécificité française, le bistrot Oh, sous cette forme-là, peut-être. En tout cas, je dirais qu'il y a des bistrots dans, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. porte évidemment pas le nom, le nom de bistrot. Ce qui y a de peut-être euh, bien particulier chez nous, c'est qu'on est connu à l'étranger pour nos bistrots et que donc ça devient un argument touristique à, à, au, à tel point que Alain Fontaine, le propriétaire du mesturet, a tenté euh, récemment de faire classer le bistro au patrimoine de l'UNESCO. Euh, cette première tentative s'est euh, fondée un échec mais je pense qu'il y en aura une deuxième puis une troisième et que c'est nécessaire parce que cela participe véritablement euh, d'un lieu culturel important euh, même euh, à l'international tellement ça a irrigué l'imaginaire alors là euh, de la planète quoi, Didier Nourisson ouais. euh, vous êtes l'auteur de l'Amérique en bouteille comment Coca-Cola a colonisé le monde et nos bistrots par la même occasion euh, spécificité française alors spécificité française parce que effectivement dans, dans les bistrots français on, on va voir toute la palette toute la gamme euh, des, des boissons euh, à consommer euh, des, des plus traditionnels, comme le vin, au, au plus modernes, peut-être, comme le Coca-Cola, qui a fait euh, sa rentrée dans, dans l'établissement euh, euh, dans les années 1950, par avant. On, on voit effectivement ces signes, même, de l'entrée de la société dans la modernité, en fréquentant, si j'ose dire, les bistrots au, au fil du temps. Euh, C'est-à-dire que... Euh, notamment dans les dans les campagnes, on, on buvait traditionnellement, on va dire, du, du vin euh, à, à, chez soi, euh, sur la table quotidienne. Mais on va au bistrot pour aller boire autre chose. Alors ça peut être de la bière, ça peut être un apéritif aussi. Que la, la mode de l'apéritif euh, arrive doucement euh, d -d au début du XXe siècle et, et s'accélère considérablement dans l'entre-deux-guerres. Très intéressant. Avec, avec des breuvages dont on a oublié le nom. Mais oui, c'est ça. Du bon, du bon, du bonnet. Euh, oui. Ou, euh, la suze. Euh, je, je raconte une anecdote dans le livre. Il y a un représentant en alcool qui passe dans un bistrot vraiment au cœur, au cœur de la province, et il dit bon bah une caisse de suisse comme d'habitude. Et le patron répondant, le client est mort. <laughs> c est, c est, vous voyez. À, à, à la fois la consommation énorme du dernier client qui buvait une caisse de suisse par semestre, et en même temps des événements des, des breuvages qui ont disparu. Mais quand on regarde ce qui est consommé. Nous nous avons une autre histoire qui s'écrit que celle de nos représentations, et ça, c'est passionnant parce que le café, d'ailleurs, bistrot prend le nom du café par la boisson qui est servie et qui a connu un grand succès. Mais euh, l'imaginaire nous conduit aussi dans ces premiers temps des bistros à l'absinthe. Euh, l'absinthe, beaucoup consommée, puis disparue. À quel moment le café commence à s'imposer bah, le, le café, euh, en tant que boisson consommée dans un établissement, euh, ça date euh, du XVIIIe siècle, en gros. Hein. Euh, c'est Procop, c'est... mais le vin va très vite, dès qu'il se fait un peu populaire, va, va très vite occuper l'espace bistrotier et on, on voit arriver donc toute la, la gamme des, des apéritifs au cours du XIXe siècle, au fur et à mesure que l'industrie de, de l'apéro, si j'ose dire, se met en place avec effectivement tout un système de, de marques qui utilisent des, des vins. Euh, classique mais qui font infuser des plantes dedans. Alors, en particulier, on, on peut citer évidemment euh, l'absinthe euh, comme étant euh, une boisson à base de, de différentes plantes euh, et de, sur un sur un fond d'alcool euh, euh, spiritueux. Mais on peut aussi citer, je pense par exemple au vin Mariani, au milieu du 19e siècle, dès le milieu du 19e siècle, ça va durer jusqu'en 1950 quand même, ce vin Mariani qui était fait de vin de Bordeaux avec une infusion de coca, de feuilles de coca et de noix de cola. Et tiens, comme c'est bizarre, quand ce vin va passer aux Amériques, il va devenir le Coca-Cola. Ben oui, parce qu'ils le... n'ont plus le droit à l'alcool, ces Américains, en temps de prohibition. Et voilà, ils étaient prohibitionnistes. <laughs> le, le vin, le vin, c'est toujours consommé au cabaret depuis la nuit des temps, depuis la Gaule, hein, quasiment. Mais enfin, en tout cas, depuis l'occupation romaine. Mais euh, vraiment, euh, l'absinthe s'impose au XIXe siècle. S'impose d'abord comme un breuvage aristocratique, avec des absinthes euh, variées, des absinthes chères. Et puis, petit à petit, il va y avoir une industrialisation de la production, en particulier à Pontarlier, dans le contexte de la crise phylloxérique. et du coup l'absinthe va devenir très bon marché et va devenir un véritable fléau social et sanitaire avec un phénomène d'alcoolisme que tout le monde connaît depuis Zola et l'assommoir Zola et l'assommoir qui était mal reçu d'ailleurs à l'époque par le monde ouvrier hein, et en particulier un historien enfin un historien un cabartier socialiste comme l're euh, qui a laissé les souvenirs d'un cabartier puisqu'il avait pris un cabartier en direction euh, laisse des, des, des souvenirs qui sont peut-être plus fiables euh, que euh, que Zola et dans lequel il dit que l'alcoolisme c'est surtout une question d'heures et puis c'est surtout les chômeurs qui s'alcoolisent parce qu'ils finalement ils sont au désespoir ils n'ont pas d'argent ils n'ont que ça à faire et, voilà il faut bien voir à quel point l'absinthe va détruire deux ou trois générations jusqu'en 1915 où l'absinthe est interdit et là ça va être tout le génie lobbyiste euh, de Ricard et consorts ah non pas qui... encore pas encore non ouais, non mais de, des absinthes d'abord et de rien euh, après la seconde guerre mondiale ouais. qui vont finalement euh, mettre l'alcool à 40 puis à 45 degrés euh, dans l'entre-deux-guerres et qui après la seconde guerre mondiale vont véritablement euh, s'imposer comme leader du marché oui, avec la crise du phylloxéra qui détruit nos vignobles, euh, l'absinthe, c'est bien parce que ça remplace. C'est pas cher aussi, il faut le rappeler. Il euh, y a aussi une question de coût. Quand on va au bistrot tous les jours, on ne peut pas consommer que des alcools qui coûtent cher. Sinon, on est ruiné. L'absinthe oui, aristocratique, euh, c'est l'absinthe de Pontarlier, effectivement. Hein. Les absinthes de Pontarlier, mais en particulier de, de celle de, de Pernaud, Pas encore Ricard, bien entendu. Et... L'absinthe, on va dire, populaire, c'est celle de la région parisienne, c'est-à-dire de, de l'alcool à 90 qui laisse infuser des plantes. Et, et ça, évidemment, ça ne devait pas être trop, trop bon de d'avaler des, des absinthes à 90. Hein. Dans, dans un contexte où les routes s'ouvrent et où il y a de plus en plus de flux, c'est-à-dire que en gros, tous les quartiers populaires, et bientôt même la campagne, sont oui. irrigués, et l'absinthe va rencontrer un concurrent qui est l'eau de vie. Parce que l'eau de vie, évidemment est faite aussi euh, alors là à la campagne parce qu'il y a aux alentours de 1900 euh, plus de 4 millions de bouilleurs de crues et ça donne lieu euh, à des à partir du moment où ça va être contrôlé et réglementé ça va donner lieu à des phénomènes de contrebande tout à fait incroyables j'ai trouvé euh, des cafés qui étaient livrés par des bons hommes avec des pardessus spéciaux j'ai trouvé un corbillard qui trafiquait de l'alcool et alors, les, les, les policiers ont trouvé que on fêtait beaucoup d'enterrements dans ce café, j'ai trouvé un camion, euh, un camion un camion un camion boeurs, c'est une pompe à merde en fait hein, qui était en fait complètement camouflé, il y avait les matières qui étaient autour et l'alcool à l'intérieur, ça camouflait l'odeur. Et là-dessus, les policiers ont trouvé que ont trouvé que il y avait quand même dans certains cafés une tendance à changer beaucoup la fosse sceptique. C'est entre les années 30 et les années 50, il est stupéfiant qu'il n'y ait pas eu euh, de livre à ce propos. Et d'ailleurs, tu livres une anecdote euh, de course entre contrebandiers dans ta thèse qui est absolument géniale. Ah oui, c'était on a appelé ça la mafia de la goutte en, en, entre le Calvados, le département euh, du Calvados, et, et, et la Boisson aussi, euh, bien sûr, et, et Paris, hein, avec une course-poursuite euh, digne de James Bond, euh, et, et aussi digne de, de l'époque des, des bootleggers américains, hein, parce que c'était à cette époque aussi... Donc ils n'ont rien inventé, les ricains. Hein Didier raconte qu'il qu dopait les chevaux avec du cidre pour que les chevaux galopent, galopent plus vite. Il y a un roman qui parle de ça, c'est un roman qui est paru en série noire de Jean Amila, qui s'appelle Jusqu'à plus soif, qui est absolument mais génialissime, mais c'est très curieux que le cinéma s'en soit pas emparé. Le lieu bistrot est Alors... un classique pour, pour le cinéma. C'est vrai qu'il y a de très belles scènes de bistrot. Juste sur le lieu bistrot, est-ce qu'il a beaucoup évolué Nous, on voit le quelques tables, des gens accrochés là sur le zinc. Est... Ah bah, le mobilier évolue constamment, et puis alors ce qui, ce qui évolue aussi très vite, c'est les, les accessoires des boissons, euh, les portes cigarettes les cendriers, euh, les parasols, euh, les bouteilles, hein, même tout simplement, qui, qui, qui vont circuler. Et puis donc euh, les comptoirs eux-mêmes évoluent singulièrement en, en, en suivant des modes. On va avoir de, de l'art moderne, de, de magnifiques exemples d'art d'art nouveau. Aussi, évidemment, avant. Donc, on a une évolution sensible de, de l'espace bistrotier et de la clientèle. Je crois que c'est très lié à, à la préhension même de, de la clientèle. Ce sont en fait les deux nouveautés des années 30. C'est toute l'apparition de cette bimbeloterie sponsorisée qu'a vient d'évoquer Didier. Et en même temps, le style brasserie qui va petit à petit s'imposer et homogénéiser euh, les lieux et les lieux populaires. En, on peut citer par exemple la brasserie Dupont de Barbès, hein, chez Dupont, tout est bon, euh, qui est une brasserie populaire et dans laquelle on a quand même une fresque de Capiello. Donc il y a petit à petit une homogénéisation. N'oublions pas que le régime de Vichy, quand il va vouloir fermer les cafés, il va interdire en l'espace de quelques jours tout ce matériel dont tu parlais, que les bistrotiers sont, invi enfin, sont obligés de rapporter à la préfecture. Et alors du coup, ça crée une psychose parce que à un moment donné, vous ont tous été fournis euh, de ce matériel et c'est leur matériel dont on se fait une idée. Puisque vous parliez cinéma, euh, lorsqu'on voit le début euh, du film de Michel Audiard, comment réussir dans la vie quand on est con et pleurnichard avec Jean Carmet qui vient livrer son vermouth vulcani, le vermouth des intrépides, et ses incroyables horloges Westminster qui sonnent 16 fois par jour, t'es absolument à, à, à crever de rire. Euh, Laurent Bill, vous m'avez dit cinéma, Seconde Guerre mondiale, Bistro, c'est la traversée de Paris. La pour Dieu, hein lumière. Vous rentrez ou non? Oh. C'est nous le temps, voyons quoi. Vous Voyez bien qu'on est plusieurs. Bon, alors qu'est-ce qu'on boit C'est l'heure que je ferme. Bah, du vin à chaud, ça te va oui. Je ferme. On a demandé du vin à chaud. Ils sont toujours là. <laughs> Ma bonne tête, c'est craintif comme une rosière, vous savez. Alors, alors. Mais on ne résiste pas à son charme. Fais tes valises, mon beau bon Marcel, moi je te les transporterai au à pied, à genoux, n'importe comment et n'importe où. Oui, hein. C'est 20 francs. N'ayez pas peur, madame. C'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. 20 et 30, 50. 50 cents. 4500. 500 000. Vous avez une bonne Non Et bah, celle-là, là. là. Tu une voisine. Deux autres vins chauds. N'allez pas me faire voler mon gars sous la nuit, non et eh bien, dans les enquêtes, et puis qu'on en parle plus. Célèbre scène dans la traversée de Paris de Claude Autant-Lara avec Jean Gabin, Bourville, Didier Nourrisson. Dans cette évocation, il oh, y a beaucoup de non-dits. Et la scène, on la connaît. Elle continue. Et cette bonne qui est censée être une voisine porte une étoile jaune parce que elle est employée par ces bistrotiers qui sont des thénardiers minables dans le film oui, Autant-Lara. Moi, j'aime à dire que le régime de Vichy a été un régime sec, c'est-à-dire un régime qui a, a voulu euh, contenir euh, les bistrots et euh, réglementer euh, les consommations d'alcool et, et euh, ça s'est vu dès le, le 25 août 1940 donc euh un mois et demi après la prise de pouvoir, on va dire, par Pétain, euh, on, on a déjà une, une première législation qui, qui se met en place, une législation de plus en plus anti-alcoolique et de plus en plus féroce, je dirais, à, à l'égard des bistrotiers euh, qui, qui deviennent un peu les, les, les parias de, de la société ou qui représentent un, un danger moral, enfin, pour la moralisation ou la démoralisation plutôt de la population française qui avait d'autres euh, problèmes il faut bien l'avouer mais euh, je crois que là on a vraiment une intervention de l'état dans la, la zone disons de la santé publique qui est euh, massive et pour la première fois enfin c et qui est première ce sera ensuite Poursuivi par la quatrième voire la cinquième République. Alors le bistrot, ça a toujours été depuis un millénaire un lieu à la fois Dangereux. de brigands, euh, de transgressions, euh, de paroles politiques, euh, d'impertinence, de contestation de l'ordre et un lieu d'indicateur. Mmh. Alors euh, cette, ce paradoxe, il nourrit toute l'histoire euh, politique de l'ordre social de social, économie, etc. bon, c'est notre histoire et à partir de là il va y avoir sous le second empire une loi qui va répondre aux rêves de le lieutenant général Laraigny au XVIIIe siècle et qui va donner au préfet la possibilité de fermer le bistrot d'un claquement de doigts sans qu'il y ait de contestation possible devant la justice. vichy va reprendre cette disposition et en 1944, le gouvernement provisoire du général de Gaulle, puis la République française de la 4e, puis la République française de la 5e, reprennent la disposition telle qu'elle, donc la disposition vichiste telle qu'elle, qui est actuelle en ce moment, et qui fait que, sous couvert d'ordre public, un préfet peut, et c'est le seul commerce, peut fermer d'un seul coup les bistrots, les boîtes de nuit, sans qu'il n'y ait de contestation immédiate possible devant la justice. Contestation est possible quelques mois après, mais vous avez les bistrots qui sont dans la main du pouvoir exécutif, qui sont dans la main du pouvoir préfectoral. Et derrière, évidemment, cela a réalisé un certain rêve de la police, d'un certain Vidoc que vous n'êtes pas sans connaître, cher Xavier Mauduit. Et derrière, ça a transformé les bistrots en indicateurs, ou en tout cas en personnes qui ont la réputation de l'être. On, on ne sait pas assez qu'il y a du maréchalisme dans la cinquième république. Finalement, euh, c'est ça, hein, parce que effectivement, le, le bistrot fait peur. Euh, le bistrot, donc, euh, en tant que patron et en tant que lieu de, de consommation et de toutes les discussions euh, politiques possibles et, et, et dangereuses pour l'ordre public. On, on a bien vu, par exemple, aussi les, les complots qui seraient euh, nés dans, dans les bistros, les, les grèves qui se seraient fomentées euh, dans les bistros. Et tout cela euh, inquiète fi finalement le pouvoir presque quel qu'il soit, qu 18... soit, républicain ou, ou royal. En, euh, en, 18... en 1815, je, je me suis amusé à adresser une petite liste dans un lieu restreint euh, de tous les endroits où l'on avait crié Vive l'Empereur, ce qui avait mené les ivrognes au bagne. Et euh, derrière, on ne peut comprendre l'histoire du syndicalisme français euh, si mmh. euh, on ne fait pas euh, état du nombre euh, de syndicats qui ont euh, leur réunion dans les bistrots, voire euh, des euh, meneurs ouvriers. Qui qui ont été licenciés, qui dans le Nord ont ouvert un bistrot. Euh, le bistrot euh, accueille, tu le disais tout à l'heure, les associations sportives, mais aussi après 19 les associations d'anciens combattants et pendant toute la belle époque, euh, moult, moult organisations syndicales. J'ai un étudiant super qui s'appelle Vincent Cornard, qui a fait une une thèse, enfin une, une maîtrise un master sur Jaurès à la télé, et il a repéré toutes les scènes qui se passaient dans les bistros et il s'est aperçu que les évocations cinématographiques, les réécritures. Euh, télévisuel de jaurès avait pris naturellement le lieu café comme décor euh, parce que cela traduisait une réalité qui était passée finalement de façon presque capillaire euh, chez les scénaristes quand ils avaient voulu écrire la vie euh, Lévi-Jaurès oui. au, au, au cinéma ou à la télévision les, les tournées de, de bistrot sont souvent des tournées électorales en réalité hein. tu parles de jaurès le, le marquis de Solange adversaire numéro un de de Jaurès en... En 1893, euh, on a retrouvé ces comptes de campagne, ces temps de, euh, de, de, de francs, de suces, de bières, de, de, euh, de différents apéritifs, pour, évidemment, empocher les, les les votes. Les hommes politiques distribuent parfois des jetons qui correspondent à de, des consommations dans tel établissement. Et euh, on a, on a beaucoup, beaucoup oublié, mais une part des votes, euh, certains votes avaient lieu au bistrot et pas à la mairie au départ euh, et on, on a vraiment des, des histoires. Alors là, j'ai essayé d'en citer, j'ai un chapitre qui est, qui est consacré, donc je ne veux pas les énumérer, il euh, faut lire le livre pour les avoir, mais effectivement, il y a des histoires qui sont à crever de rire, hein, dans lesquelles euh, vous avez des, des, des bistrots qui servent de véritablement de lieux, de cantines politiques, euh, de, cantine politique, de lieux d'affrontement, comme euh, chez Pépon et donc Camillo, et... Évidemment, il faut dire aussi que le bistrot est le lieu anticlérical, qui est le lieu où l'Église et euh, le laïc se contestent le leadership le, du, du, du village, dans lequel il y a un affrontement. Hein. Euh, on parlait, vous citiez autant Lara tout à l'heure, euh, dans l'assassinat le, le, du Père Noël de Christian Jacques, le soir du 24 décembre, on a l'orphéon qui part du café et qui va jouer pendant la messe de minuit, et euh, les 14 juillet, j'ai retrouvé des archives dans lesquelles il y a la paroisse qui sort les chœurs des marmousets de la paroisse pour aller chanter des cantiques le jour du 14 juillet. Et ça n'est que ça C'est Cloche Merle C'est Gabriel Chevalier C'est Cloche Merle le café oui, le, le, le vin de messe est bon pour les catholiques pratiquants, mais le vin de bistrot est maléfique, c'est Satan. Hein. Et, et ça, les, les anti-alcooliques l'ont bien, bien observé très très tôt. Hein. Effectivement, on, on va voir... Tiens, d'ailleurs, euh, parmi les anti-alcooliques, il y a une catégorie un peu particulière qu'on qu est en train de mettre en valeur, ce sont les, les anarchistes. Les anarchistes qui voulaient des gens sains, pour faire la, la grande révolution et qui étaient donc anti-alcooliques et qui se sont ralliés euh, dès la première guerre mondiale euh, avec les bourgeois pour essayer de d'empêcher les ouvriers de boire. Ah ben c'est le bistrot, c'est vraiment le règne des fronts politiques renversés. C'est parfois oui. des alliances tout à fait inattendues. Oui. Et euh bon, je, je voudrais. Le monde sacré tourne autour de la bouteille. Absolument. Et parfois euh, on a des scènes tout à fait tout à fait stupéfiantes. Je pense par exemple à l'Uranus de Marcel Aimé dans lequel on a, faute d'école, euh, l'institut qui va faire la classe dans le café avec le patron qui du coup... Apprend des choses euh, qu'il ignorait complètement, et je dirais que c'est aussi un petit peu une façon de dire que le café est le lieu de l'instituteur, hein, euh, et le lieu où l'on parle politique et où l'instituteur euh, a son mot à dire sur les agissements euh, du maire ou sur les agissements euh, du prêtre local. Euh, et de, de ce moment-là, là, là le, le café devient un lieu de savoir, un lieu politique, mais de politique par en bas pour le coup. Euh, et ce n'est pas sans me parler moi qui ne corrige mes copiques au café. Eh ben voilà, parce que le café c'est un lieu de convivialité de sociabilité Et puis c'est aussi le saint Albert Pierre Jacques ah quel rêve d'être bistrot bah tiens là on retrouve bistrot au sens de la du personne patron. le patron oui. hein. parce que Laurent Bill c'est une histoire sociale qui s'écrit avec les bistros alors il y a le patron il y a la patronne il y a l'habitué il <laughs> y a le client de passage il y a le garçon aussi c'est ça euh, ce sont des gens que l'on connaît mais alors curieusement c'est un lieu qui est moins alors peut-être on va différer là-dessus euh, avec Didier c'est pas pour moi un lieu de brassage populaire euh, il y a un... alors certains évidemment certains bistros aussi les cafés de gare bien sûr mais le bistrot traditionnel c'est un bistrot qui répercute un ordre et un ordre bien établi n'est pas au comptoir n'importe qui n'est pas à telle table n'importe qui d'abord le bistrot est un lieu d'habitude euh, les la distribution de la parole se fait en fonction d'une hiérarchie fondée sur l'habitude tout le monde ne parle pas à n'importe qui on ne drague pas par exemple dans les bistros ça c'est un c'est un lieu commun ou plus exactement on essaye de les femmes n'y sont pas en sécurité bien sûr euh, une femme seule au bistrot est accostée on l'ennuie pour rester poli, mais ça marche jamais euh, c'est pas un lieu érotique le bistrot non le bistrot c'est un lieu viril alors pour son malheur et beaucoup moins à partir des années 70 pour son bonheur euh, pour son évolution euh, malgré le fait qu'il y ait moins de bistros en france je pense que les bistros aujourd'hui sont plus divers euh, et du coup beaucoup plus Populaire au sens contemporain du terme, puisque les femmes y sont davantage. Euh, mais euh, le bistrot est un lieu où, encore une fois, euh, la rigidité de l'habitude fait que euh, c'est une micro-société dans laquelle on ne s'intègre pas facilement. Alors on, effectivement on n'est pas d'accord, euh, du moins euh, sur, sur le plan chronologique. Ce que tu nous dis, c'est le bistrot, le café, le cabaret traditionnel, le bistrot du 20e siècle. Moi je pense que c'est au contraire le lieu de, de la démocratisation euh, la plus grande euh, et celle justement qui va faire le plus peur en, en, en bout de course, euh, puisqu'on a parlé des, des, des mesures vichistes, euh, parce qu'effectivement tout le monde retrouve tout le monde, peut retrouver tout le monde, peut échanger avec tout le monde et cela va conduire, cela peut conduire effectivement à des manifestations de rue euh, à coups de pavé redoublés. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre, mais n je je D'abord, je, je raconte un certain nombre d'anecdotes. Alors, la personnelle, euh, à la fin de mon livre, puisque c'est aussi... Je, je me suis mis un petit peu en, en place, hein, en rôle, hein, euh, à la fin du livre. Hein, J'ai un peu donné euh, des, des choses qui viennent de, de, de mon parcours pour, pour montrer des situations contemporaines. Mais euh, je pense que la, la parole politique et l'échange euh, n'est pas incompatible avec une certaine hiérarchisation de la parole. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, en particulier en province il y a des bistrots de gauche et des bistrots de droite et que ça se sait, qu'on ne dit pas la même chose euh, au même endroit dans le même quartier, avec les mêmes gens euh, et donc euh, ouais je, je, je pense que là, il y a quand même euh, il y a des idées reçues sur les bistrots et euh, la parole n'y est pas, alors pour reprendre le terme génial de Pascal en, en préface qui m'a fait le cadeau d'une très belle préface, le bistrot est le lieu où la parole a la parole c'est un lieu, et faire l'histoire des bistrots, c'est finalement faire l'histoire de la parole populaire qui n'a pas de trace par... mais cette parole euh, elle est sa prise, la prise de parole est beaucoup plus codifiée qu'on ne pourrait le penser car, le, je le répète, j'y tiens le bistrot est un lieu d'habitude et d'habitué Didier Nourisson, là, vous êtes d'accord ou vous faites-vous de la tête euh, <laughs> Pas complètement, pas complètement, parce que je pense que euh, la parole est contrôlée, effectivement, euh, mais c'est, j'allais dire, la foule même du du qui veut ça. Hein. On ne peut pas avoir un discours à chez soi identique à celui que l'on va tenir dans un lieu public. Et je crois que ça, c'est un, un élément essentiel, effectivement, qui fait que euh, c'est un lieu, le bistrot, du coup, un lieu d'unanimité, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment être opposant dans un bistrot. On est entraîné par, par la foule. Alors, là, autant je, je pense qu'on peut parfaitement être opposant au bistrot et qu'il y a des coteries qui s'affrontent au bistrot, autant je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le bistrot, en revanche, est un lieu collectif et qu'on n'a pas la même parole et l'échange de parole et la même liberté de parole chez soi et au bistrot. Alors là, ce sont deux choses qui sont bien différentes. Là, oui, je suis parfaitement d'accord. Et avec un distinguo à faire parce que nous parlons des bistros de manière générale, mais dans vos propos à l'un et à l'autre, on entend le bistrot du village, celui oui. de province et puis. Paris, mais Paris, c'est la même chose. Hein. Il y a des villages à l'intérieur de Paris, et puis il y a le bistrot de gare. Il y a une typologie des bistrots à, à mettre en place. Ah bah j'ai essayé de traiter tout. Euh, j'ai traité de l'auberge de route, j'ai traité euh, de le, du bistrot portuaire, euh, j'ai traité du buffet de gare effectivement, euh, j'ai traité du petit caboulot comme du grand café parisien. Et euh, cette diversité a, a nourri mon livre en fait. C'est vraiment. Et tu as même parlé des cafés des immigrés. Et ça j'ai beaucoup apprécié parce que on en parle jamais. Un hein, de ces cafés euh, particuliers qui sont liés aux vagues d'immigration les italiens, les, les marocains, les algériens euh, effectivement ça, ça nous fait des, une diversité la cafetière euh, assez importante et j'affirme que lutter contre les cafés et avoir vu baisser euh, le nombre de cafés euh, c'est aussi un frein à l'intégration. Oui, c'est ce que j'essaye de démontrer dans, dans mon livre. Euh, mais finalement, un des dénominateurs communs, c'est aussi, vous en parliez tout à l'heure, la figure de ce garçon de café, euh, de ce serveur. C'est très différent hein, entre ouais. le, le personnel féminin et le personnel masculin. Là, il y a deux tropismes qui montrent bien à quel point euh, les imaginaires sociaux sont bloqués, hein, sont figés euh, sur des attendus. Le garçon de café, c'est à mi-chemin entre le domestique et le Titi parisien. Et d'ailleurs, en 1815, quand les cafés parisiens ouvrent, euh, les premiers serveurs sont en grande partie des domestiques recyclés. Et donc, il va y avoir cette figure qui va irriguer véritablement euh, le 19e siècle. Alors, je passerai ce, ce garçon de café qui ressemblait tellement à Louis-Philippe sans s'en apercevoir qu'on venait, que le, tous les Antilles, ceux qui, qui adoraient la poire de Domier, venaient euh, se moquer de lui dans tel café des Grands Boulevards. Mais il va y avoir, et ça, j'ai retrouvé dans mon bouquin, euh, une, une grève, euh, un mouvement de, de, de garçons de café euh, en 36-37, il y en avait eu un euh, 1936-37, ah, euh, à un moment il revendiquait à la belle époque il revendiquait le, 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 le de pouvoir porter euh, la moustache, mais après euh, il y a eu véritablement un mouvement euh, de garçons de café en 36-37, le 5-6 juin 36, ce mouvement des garçons de café relance en fait le front populaire et c'est à la suite de ce mouvement que Thorez a dit attendez il faut savoir arrêter une grève parce que cette grève des garçons de café commençait à réirriguer tout le tertiaire qui commençait à basculer. Et ce qui a été conclu en 1937 a été contesté dès le départ de Blum, cinq jours après le départ de Blum, les patrons de café, des grands cafés des Champs-Élysées contestent les accords qui avaient été passés en 1936 et la grève recommence dans le contexte de l'ouverture imminente de l'exposition universelle de 1937 et là vous allez avoir une lutte d'une violence incroyable qui voit les gardes mobiles entourer les cafés des Champs-Élysées, la belle société se mettre en autogestion et assurer le service elle-même alors hurlant de rire et les garçons de café aller dans certains cafés des grands boulevards en catimini déguisés en consommateurs pour consommer et asperger euh, les consommateurs normaux de bleu de méthylène pour euh, leur en vouloir euh, de euh, finalement truander de d'être de, les jaunes euh, de la grève en allant consommer aux cafés qui sont censés fermer être fermés pour cause de grève vous avez comme ça des anecdotes hilarantes et j'ai pu traité de ce mouvement euh, de 1936-1937, deux fois cinq jours à peu près, jour par jour, ce qui est alors là un confort fabuleux quand on fait de l'histoire sociale, de pouvoir vraiment, dans un livre d'histoire culturelle, de pouvoir parler d'un mouvement jour par jour et quasiment heure par heure, c'est un confort absolument formidable. Oui, c'est très culturel oui. et très social alors, en même temps. Oui. Et alors, en même temps, le bistrot est un lieu de construction des préjugés et des stéréotypes... Euh, considérable. Hein, tu, tu parles du, de la figure du, car, du garçon de café, donc il n'y a pas plus stéréotypé que, que le garçon de café, mais on pourrait aussi euh, brancher, se brancher sur la figure de la serveuse. Hein, euh, fille facile ou, 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 ou dame euh, honnête et, ou au contraire prostituée enfin, euh, tout ça, c'est c'est un peu complexe. Hein et en même temps, il serait faux de dire que les femmes ne sont pas au café. D'abord parce que les veuves euh, tiennent un certain nombre de cafés, euh, et ensuite hein, parce que euh, le café dépend des heures en fait. Et ça, ça rajoute à la complexité. Un café change de physionomie en fonction du lieu où il est établi euh, et en fonction des heures. Vous avez des heures dangereuses, vous avez des heures totalement désertes, vous avez euh, des jours où le café devient familier. Et en particulier, j'ai la conviction, effectivement, que le dimanche, euh, au sortir de la messe, parfois, euh, mais pas toujours, vous avez les femmes et les enfants qui viennent au café, là où c'est absolument impossible, le lundi, le fameux Saint-Lundi, où là, on fait plutôt, l'ouvrier euh, fait plutôt la fête et euh, dilapide euh, une part de la paix, l'ouvrier ou le paysan. Mais là aussi, je suis tombé sur des choses tout à fait étonnantes. L'arrivée des routes bitumiers et euh, de la bicyclette fait que les jeunes vont boire dans des cafés qui ne sont plus les cafés du village, c'est-à-dire qu'ils ne boivent plus sous l'œil de leur père, ce qui, avec le service militaire, va correspondre à une contestation de l'ordre patriarcal dans les, dans les villages qui est absolument extraordinaire, fondamental. De la même façon, les ouvriers, là encore, euh, oui. avec euh, le vélo euh, ou avec le tramway ou avec euh, les transports interurbains, euh, fréquentent des cafés qui ne sont pas les cafés du 19e siècle, où le café était juste autour de l'usine et contrôlé par le patron. Et là, tu parles... Après les années 1950, absolument. Hein, C'est-à-dire que la deuxième moitié du 20e siècle seulement, euh, où on, ce, ce, une nouvelle figure apparaît, c'est le jeune, enfin les jeunes, qui sont dans euh, certains bistrots et pas dans d'autres, qui sont entre eux. Et pas avec les adultes et qui effectivement construisent leur propre civilisation en quelque sorte jeune euh, avec tous les stéréotypes, la, la musique, flipper, euh, c'est lié flipper, avec le flip-box, le, le jukebox... Scopitone, tout. tout tout, tout se tient, le rock and roll, hein, qui, qui qui va être euh, la musique préférée euh, des, des années 60. Et il faut bien comprendre que cette génération, cette dernière génération des jeunes au café des années 60-70, c'est la génération qui va encore au café aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui a au minimum 50-55 ans. Et le problème, c'est que l'écroulement du nombre de cafés euh, depuis 1938, euh, puisqu'on est passé de plus de 500 000 à aujourd'hui 34 000 cafés, ce qui est invraisemblable cet écroulement correspond à la fois à la montée des fast food et à la désaffection du lieu café par des jeunes alors c'est bien joli de vouloir euh, créer des cafés euh, et remédier en particulier à la désertification dans certaines zones rurales par le café mais si on a une génération entière ou deux générations qui perdent l'habitude d'aller au café, eh bien, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer dans 20 ou 30 ans, parce que les cafés qu'on recréera seront des cafés vides. On ne recréera pas les habitudes comme ça. Ouais, parce que la sociabilité, ça se construit pas d'un claquement de doigts. Bon, eh, monsieur, on va fermer, là. Il est leur merci vivement à tous les deux. Un euh... dernier pour la haute. <laughs> voilà, c'est ça. Et va... à votre santé, surtout. <laughs> hein. <laughs> c'est moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Laurent Laurentville, une histoire populaire des bistrots publiée par Nouveau Monde Édition, euh, c'est euh, une somme il n'y a pas besoin d'aller plus loin que de vous écouter pour comprendre. Ça a été un grand plaisir de voir toutes ces évolutions sur deux siècles. Et puis, c'est un bel anniversaire, la parution de cet ouvrage, pour fêter les dix ans de votre livre Didier Nourrisson, cru et cuite, histoire du buveur. Et puis là, l'Amérique en bouteille, comment Coca-Cola a colonisé le monde, édition Vendémiaire. Merci vivement à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. comment savoir si Henri VIII regretta d'avoir décapité deux de ses six épouses. Il arrive qu'en relisant des documents que les spécialistes d'un sujet ont déjà maintes fois consultés, on puisse mettre au jour des aspects qui étaient passés inaperçus jusque là. C'est ce qui est arrivé à Micheline White, professeure à l'université de Carleton au Canada, cette spécialiste de la littérature anglaise de la Renaissance avait commencé des recherches sur Catherine Parr, qui fut la sixième et dernière épouse du roi Henri VIII. Ce dernier est sans doute l'un des plus célèbres des rois d'Angleterre et d'Irlande. Tout d'abord parce qu'il a rompu en 1534 avec la papauté pour fonder l'anglicanisme, qui est devenu la religion officielle de ce pays. Mais Henri VIII doit aussi sa notoriété à ses actes criminels. Il fit décapiter des dizaines de personnes au cours de son règne des ermites, des religieuses, des moines et deux de ses six épouses. Dans l'espoir d'en savoir plus sur l'histoire de Catherine Parr, la seule épouse qui lui survécut, Micheline White s'est penchée sur une source qui avait déjà été beaucoup étudiée par d'autres historiens de cette époque. Il s'agit des livres cadeaux que le roi Henri VIII avait conservés dans sa bibliothèque et qu'il lui arrivait d'annoter. Parmi ces ouvrages figurait un exemplaire de Psalms or Priors, un ensemble de Psaumes et de Prières, que Catherine Parr avait compilé et traduit en anglais. Micheline White a raconté qu'elle était sur le point de refermer ce livre luxueux quand elle a repéré des traces dessinées au crayon dans les marges. Elle s'est rendue compte que ces dessins étaient des manicules, c'est-à-dire des mains fermées, avec l'index tendu vers un passage du livre pour attirer l'attention du lecteur. Ces manicules était parfois accompagné de gribouillages que le professeur White a mis plusieurs années à élucider. Finalement, elle a acquis la conviction que ces marques énigmatiques avaient été tracées par la main du roi. Les manicules que ce dernier avait dessinées montrent des passages du livre Psalms or Prayers où il est écrit :« Ô Seigneur Dieu, ne m'abandonne pas même si je n'ai fait aucun bien à tes yeux. » Et aussi Détourne de moi ta colère, afin que je sache que tu es plus miséricordieux envers moi que mes péchés ne le méritent. Ce livre de Catherine Parr a été publié en 1544, trois ans avant la mort de Henri VIII. Obèse, fortement diminué par un ulcère purulent à la jambe, le monarque était plongé dans de profondes angoisses. Sachant que sa fin était proche, il fut sans doute pris par un puissant désir de repentance, afin que Dieu lui pardonne ses péchés. Mais Micheline White aimait l'hypothèse que les gribouillages d'Henri VIII s'expliquent peut-être aussi par une autre raison. Le roi savait que ces annotations seraient largement diffusées et commentées dans le petit milieu des courtisans et des diplomates. Étant donné qu'il projetait alors d'envahir la France, il avait besoin du soutien de Charles Quint. Mais comme celui ci lui reprochait de s'être éloigné du catholicisme, peut-être qu'Henri VIII a utilisé ces manicules comme un moyen de propagande, afin de convaincre son puissant allié qu'il n'avait nullement perdu la foi. Merci beaucoup, Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delacroix, Toscane Viewdes, Jeanne Copet, Raphaël Laloum et Mayouane Guizhou. Allez, c'est ma tournée. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site FranceCulture.fr et l'appli Radio France.